Je vais te proposer un produit vraiment atypique. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un mini frigo de la marque Comfy. Ils appellent ça donc un mini bar réfrigérateur avec poignée, c'est-à-dire que en fait, tu as plusieurs solutions. Soit tu souhaites l'utiliser un petit peu au quotidien, dans le sens où bah, tu vas mettre à manger dedans. Donc, tu habites dans un petit studio, tu as besoin d'un tout petit frigo qui prend pas beaucoup de place. Donc ici, il est vraiment petit, c'est très intéressant. On verra les dimensions juste après. Puis en plus de ça, il a vraiment un côté un petit peu rétro. Il a un petit côté, un petit design que j'aime énormément. C'est pour ça aussi que je voulais te le présenter. Et puis aussi à côté, bah, tu peux l'utiliser que ce soit un petit peu pour les gamers ou dans un petit setup dans ta chambre ou dans ton local ou dans ton bureau où tu vas pouvoir mettre des boissons dedans tout simplement et comme ça bah, ou alors à ton lieu de travail et tu peux tout simplement après prendre à manger tranquillement. Donc il peut avoir plusieurs utilisations parce que c'est vrai qu'il est assez petit, il a un petit côté aussi rétro et tout, donc le design j'aime beaucoup et en même temps je trouve qu'il peut vraiment un petit peu servir sur le long terme. Alors ce qu'il faut savoir c'est concernant ce frigo là que je te présente aujourd'hui, enfin en tout cas ce mini réfrigérateur, ils appellent ça comme ça, mini bar, eh bien je vais l'offrir par la suite à une association. Je trouvais que ce concept là était plutôt sympa que parmi les produits que je reçois d'offrir certains produits eh bien à des associations. En bref, c'est parti pour les caractéristiques et puis par la suite on va aussi tester forcément ce frigo là. Je vais aussi te montrer et avec du concret on va mettre des aliments, des boissons dedans et on va voir un petit peu comment ça va réagir. J'ai aussi une sorte de petite pastille qui me permet de tester si le frigo fonctionne bien ou pas et puis écoute, c'est parti. Alors c'est la Comfy, alors c'est la RCD50DK1RT. Alors souvent sur ce genre de produits électroménagers, ils aiment bien donner des noms un petit peu complexes. Alors c'est un mini bar réfrigérateur avec poignée, une contenance de 43 litres. Alors si tu veux c'est vraiment un petit frigo, alors en dimension d'ailleurs, en largeur on va avoir donc 48,5 cm, en hauteur 50 cm et en profondeur on va donc avoir 49 cm. Donc quoi qu'il en soit, voilà, ça reste quelque chose, on va dire, ça va être un carré de 50 cm où tu vas pouvoir placer, on va dire, soit à peu près pour une personne, je dirais une petite semaine de course, voilà, 5-6 jours de course, et ou alors si tu veux l'utiliser vraiment dans un cadre, plus dans un bureau, plus en mode setup et tout, avec ce petit côté un peu vintage et tout, et bien là tu vas pouvoir vraiment aussi l'utiliser beaucoup plus sur le long terme, hein, ça peut être plusieurs semaines où tu vas pouvoir mettre pas mal de canettes, pas mal de boissons aussi à l'intérieur, ou un mini bar si jamais tu as un mini bar et tout, c'est vrai que ça peut être assez pratique. Alors on va se retrouver aussi donc avec la possibilité en tout cas d'avoir deux couleurs, c'est à dire qu'on va avoir du blanc ou du noir. Moi j'ai choisi le noir parce que je préfère personnellement, je le trouve un peu plus joli en noir que en blanc, de la couleur blanche. Donc après ça c'est forcément c'est subjectif, ça dépend des goûts et des couleurs, mais c'est vrai que le côté noir et tout, je trouve que vraiment ça passe crème. Et puis il y a un petit côté aussi je dirais haut de gamme, un petit peu luxe derrière sur cette couleur là avec ce style, ce design là. Par contre on a classe énergétique, c'est F, et on a un petit bruit sonore qui est de 41 décibels, ce qui est pas beaucoup honnêtement, vraiment pas beaucoup comparé à d'autres frigos qu'on peut retrouver sur le marché. Alors j'ai vraiment regardé parce que je t'avoue en toute transparence, je m'y connais pas forcément en frigo et surtout en mini frigo. J'en avais un quand j'habitais dans mon petit studio et honnêtement c'était très pratique parce que c'est petit, tu peux mettre tes trucs. Alors oui tu peux pas mettre plusieurs semaines de course mais c'est pas du tout ici son objectif, c'est vraiment quelque chose pour dépanner, pour optimiser en termes et bien de place, et puis à côté tu peux aussi l'utiliser que ce soit pour mettre vraiment pas mal de boissons et tout, plus en mode mini bar. Donc ça va vraiment aussi dépendre de ton utilisation. Et bien c'est parti pour tester le Comfy. Il s'agit d'un mini frigo, mini bar, et bien un petit peu avec un côté rétro design. Voilà, donc alors déjà on va regarder un petit peu son design. Alors voilà, pas très grand, pas très haut, donc il peut se ranger un peu partout. Moi je vais le mettre, après tu verras derrière. Donc là il va faire un peu plus de bruit parce que je l'ai mis à fond pour tester aussi forcément le froid avec. Donc ici j'ai pas enlevé, on a aussi des petites protections, il est vraiment bien livré, je l'ai reçu en 24 heures, très propre à l'arrière, voilà. Donc vraiment c'est soigné, c'est pas fait rapidement, voilà. Donc ça fait plaisir. Et puis quand on regarde, on a un long câble, voilà, donc ça aussi c'est une bonne chose. Souvent il livre un tout petit câble
et ça c'est pénible, là au moins tu as un long câble et je vais pouvoir le ranger tranquillement derrière. Donc ça franchement d'un point de vue extérieur, bah, il est super joli, là on peut voir aussi un petit film protecteur, on est sous une forme de un petit peu métal et tout, donc j'aime beaucoup franchement. On va avoir deux poignées, on va avoir la poignée argentée que j'aime beaucoup. Hein, c'est le petit côté rétro. Et on aura aussi une poignée ici. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi l'ouvrir, voilà, comme ça. Ou bien l'ouvrir avec la poignée. Ok. Sinon, globalement, ça devrait tout. Hein. On va pouvoir aussi choisir la hauteur des pieds qu'on va pouvoir monter, tout simplement. Donc voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est j'augmente la luminosité. Et je vais te montrer, j'ai une petite palette qui se met bleu foncé quand il fait froid dans le frigo, suffisamment froid. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et là, comme tu peux le voir, elle est juste ici, la palette, elle est bleu foncé. Et là, comme tu peux le voir, elle est en train de repasser bleu clair, tout simplement. Ça veut dire que bah, forcément, là, vu que je la ressors dans une température ambiante, là, ça veut dire que forcément, il fait trop chaud, mais que le frigo fonctionne. On va la remettre après, la petite pastille. Tu verras, c'est vraiment des petites pastilles bien qui permettent de faire un petit suivi de ton frigo. Donc là, par contre, on n'a pas de lumière, voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre voilà, il s'ouvre très bien, on a de la place comme tu peux le voir parce que bah j'ai mis voilà une petite boisson, attention hein, l'alcool c'est avec modération, du jus d'orange, de l'eau, petite sauce, j'adore sauce samouraï, j'ai mis un petit peu de fromage là, après tu peux te débrouiller, mettre des œufs aussi. Là on va voir ici donc une autre petite porte, voilà, où tu vas pouvoir mettre un peu tes aliments et tout, genre des légumes surgelés, ce genre de choses, donc ça marche plutôt bien, mais voilà. Et là comme tu peux le voir, j'ai mis pas mal de choses au final. J'ai mis du ketchup en bas, donc des petites sauces. En vrai là tu peux mettre des steaks hachés, enfin voilà, tu peux mettre pas mal de. Vraiment tu as une bonne organisation. Moi j'ai vécu dans un petit studio avec un frigo de ce style là. Si tu t'organises vraiment bien, tu peux vraiment te débrouiller et avoir des trucs très sympas. Donc ce que je vais faire, c'est là en direct, je vais remettre cette petite pastille, ok, qui est claire, et on va tout simplement la remettre. Et puis je vais te montrer en fait, tac, on va la remettre ici, montrer aussi son efficacité. Donc va falloir attendre quelques minutes, mais sinon non, franchement je suis assez content. Donc voilà, on a un petit côté rétro. Alors on va essayer, je pense que je vais te le déplacer, je vais le mettre là-bas. Franchement je suis assez surpris, je trouve ça super joli. Sachant que j'ai un gros frigo là à côté, mais là vraiment tu peux te mettre pas mal de petites boissons et tout. Alors il y a quelque chose auquel je n'ai pas parlé, c'est quand je vais ouvrir et refermer, le poids du frigo forcément est assez lourd. En fait quand je, voilà, si tu veux, il va pas bouger le frigo, il reste assez stable. Mais regarde-moi ça, franchement super joli, tu vois. Là je me mets comme ça. Vraiment c'est un bon petit, j'aime beaucoup, c'est un bon petit design. Ouais, franchement il claque bien, ça donne envie. Et donc là, on va réouvrir, on va regarder la petite pastille bleue. Et tu vois, j'ai laissé, je sais pas, là, ça doit faire une minute, deux minutes. Et tu vois, hop, il était enfoncé. Donc c'est bon, la température est bonne. Après, j'ai mis à fond. Donc là, ici, on va pouvoir rechanger. Donc là, imaginons, je peux me remettre en normal. Et puis là, je vais pouvoir aussi faire mon petit tri, tout ça dedans. Voilà, donc comme tu peux l'entendre faire un petit bruit, tu peux mettre pas mal de petites choses en vrai, je pense, si tu t'organises bien. Après voilà, ça reste relativement simple. Puis il se ferme plutôt bien, tu vois, franchement. Tu peux aussi l'ouvrir comme ça. Là j'ai ça là qui est pas mal, tu peux le voir comme ça. C'est ça qu'il y en a qui n'aiment pas la poignée. Et la poignée, elle est pas mal aussi. Elle se visse en fait, c'est très simple. Hein. On visse d'abord une petite structure en plastique. Et puis après on vient en fait briquer, si tu veux, en briquer la petite poignée argentée. Voilà. Donc voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui bah, ce produit-là. Un petit peu atypique et ça change de ce que je te présente habituellement, sachant aussi bah, que je vais l'offrir à une association. Donc je me suis dit, bah autant voilà te présenter un petit produit qui change et en même temps, bah ça va peut-être aider une personne aussi au quotidien, dépanner une personne, voilà, qui est peut-être dans un petit studio et tout, ou qui n'a pas forcément, bah voilà. L'argent au début d'acheter un petit frigo et tout, bah au moins comme ça, là, hop,
il a un petit frigo Comfy qui arrive chez lui. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ce mini réfrigérateur de la marque Comfy. Alors, concernant son tarif, donc soit on va pouvoir l'acheter sur Cdiscount ou par exemple sur Darty. Moi personnellement, je l'ai acheté sur Cdiscount. Il est possible de payer aussi en 4 fois, c'est-à-dire que globalement, le tarif de ce mini frigo, c'est 169,99€. En 4 fois, ça revient à 43,52€. Alors là, je regarde aussi en même temps, puisqu'en fait, si tu veux, tu peux aussi rajouter, moi c'est ce que j'avais fait pour une livraison très rapide, c'est-à-dire en 24 heures. Avec ces discounts, j'ai payé 10€ et j'ai eu le produit le lendemain en fait. Donc voilà, donc si tu rajoutes 10€ de plus, tu peux le recevoir en 24 voire 48 heures. Moi je l'ai reçu en 24 heures, donc c'est vrai que ça j'étais assez content puisque si tu as une urgence et tout, franchement tu le reçois le lendemain. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Alors concernant le tarif 169, au final en regardant sur le marché avec ce qu'on peut retrouver à côté, je trouve en tout cas que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, parce que les autres frigos je les trouvais pas jolis du tout, alors que là on a vraiment un petit côté vintage, tu sais, rétro design et tout, donc que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien au niveau de ce frigo. On a aussi deux poignées, c'est-à-dire qu'on a la poignée vraiment que tu vas la poignée traditionnelle, mais t'as aussi un petit truc sur le côté en fait plat qui te permet aussi d'ouvrir le frigo. Ça aussi j'aime beaucoup. Par contre on n'a pas de lumière à l'intérieur. En même temps pour la taille, la dimension de ce frigo là, c'est pas très problématique. Et c'est vrai que ça peut faire petit pour certaines personnes. On a à peu près 50 cm, voilà, si tu veux, de chaque côté, c'est un petit carré le frigo. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, c'est assez drôle. Et tu peux vraiment le mettre dans des petits angles et tout. Je trouve que ça peut vraiment aussi rentrer dans une petite déco, dans un petit mini bar. Voilà, je trouve en soi que c'est plutôt propre. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à la vidéo parce que tu vas kiffer.